Ça, ce sont des caracara. C'est des oiseaux qui viennent d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud. Une sorte de petit vautour. Elle arrive à prendre 10 ans cette année, donc on est en train de lui trouver un compagnon. Bientôt elle va rentrer en volière de reproduction, donc là on ne va plus voler en spectacle. Elle a fait une belle petite carrière. Allez, 1, 2 et 3. C'est parti, regardez. Hop là, voilà. Vous avez vu comment c'est rapide et efficace, hein? Si c'était un lapin ou un lièvre qui était sorti à découvert face à un oiseau comme celui-ci, ben, l'animal aurait pas eu beaucoup de chance. Donc là, l'oiseau a fait prise. Donc là, on se doit ici de la laisser manger un peu cette. Parce que là, on sent bien qu'elle a tenaillé sa proie, elle ne veut pas la lâcher. Alors, on peut aisément capturer un jeune renard avec une bûche comme celle-ci. Sans problème. Voilà. Tu viens t'apprendre ici. Allez, les mecs, allez. Ah, mais curieusement, je vais trouver une solution. Alors, à savoir quoi? Ouais! Ne bougez pas les enfants, ne bougez pas, ne bougez pas! Attention, 1, 2, 3, hop, hop! Écartez les jambes! Allez, ah pardon! Ah oui, c'est un gros malin! C'est faufilé, les gars! T'as vu cette démarche assez amusante? Pas que féminine, tu vois quoi? Et nommé Saphira! Alors habituellement, je la présente en fin de numéro. Vous écartez parce que je suis pas sûr si on peut l'adopter. On l'a équipée d'une sonnette. Cette sonnette, eh bien, nous permettait de pouvoir localiser les oiseaux lorsqu'ils avaient fait prise dans les broussailles. Ou même encore, s'ils avaient raté leur proie, eh bien, tendre la main gantée dans la bonne direction. Puisque la position du corps est très importante pour pouvoir frapper l'oiseau. Voilà, là ici, on a vraiment, on commence à avoir un joli rouge. Magnifique. Pour l'instant, ce rouge-là, il n'est pas encore vraiment, vraiment exploitable et vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'il n'a pas assez posé, donc il n'est pas... Il n'est pas encore assez rouge. C'est très périlleux. Démonstration devant vos yeux. Non, c'est pour moi. On m'a trompé. Hé, t'es prêt? T'es prêt, en fait. Car maintenant, c'est l'élève qui pousse. Ouais. Non, mais c'est parce que normalement, quand je suis une entrée spectaculaire... Et bah le public est en folie, il crie, il tape des mains, il fait ouais, en folie, en folie. On va le refaire. Et le petit pouce.
Thank you.
première à la halle, mais après il va rentrer sur la place et il tournera plusieurs fois autour de la halle. Une fois, dans une cité médiévale, un homme prénommé Paul, et qui décida depuis 40 ans, tous les troisièmes week-ends de juillet, Mirepoix revit au temps et inspiré à leur auteur par un ou des personnages historiques. Alors, laissons-nous émerveiller par ces belles histoires avec H minuscule et reluons-les à l'histoire. Robin des Bois, héros légendaire certes, mais en Angleterre, un document judiciaire de 1228 fait état d'un Robin Hood qui a été emprisonné car il n'avait pas payé une dette. Entre 1231 et 1300, toujours en Angleterre, on trouve des textes qui font référence à un certain Robin. Personnellement, Robin des Bois me fait penser à la guerre des demoiselles qui se déroula en Ariège de manière intense de 1829 à 1832, puis de façon plus raide de ramassage en de coupe du bois et interdisait le pâturage en forêt, ce qui, bien entendu, lésait les paysans et favorisait les propriétaires. Chevalier de la Table Ronde, Excalibur et tant d'autres. C'est Merlin. Et puis, nous...